Acclamez. Vous tous qui êtes devant, que l'onction soit sur vous. Amen. Je dis que l'onction royale soit sur vous. Amen. Ma fille, avance. Alléluia, toute puissance de ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence de sang. Oh Seigneur, libère l'onction et que ta de sang. Oh Seigneur, et libère l'onction et que ta La parole de Dieu déclare que c'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous donc un sujet de joie et d'allégresse. Je suis Joël Francis Tatou, serviteur de Dieu, ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu, et je vous souhaite à vous tous la bienvenue au Centre international de réveil, au cœur de l'Afrique, au cœur de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale mondiale de la francophonie. Nous vous souhaitons la bienvenue. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. C'est pour nous une joie, n'est-ce pas, d'être là ce matin. La Bible déclare, la nuit viennent les pleurs et le matin les chants d'allégresse. Nous voulons vraiment être reconnaissants envers le Seigneur ce matin pour le don de la vie, de l'être et du mouvement. Nous reconnaissons que nous ne méritons même pas la vie que nous avons. Meilleur que nous sommes morts, priant plus que nous sommes morts, aimant Dieu plus que nous sommes morts, craignant Dieu plus que nous sommes morts, servant Dieu plus que nous sommes morts. Combien de serviteurs de Dieu vivant une vie meilleure que les nôtres sont morts, sont partis avec ce Covid-19. Et si nous sommes vivants, malgré nos faiblesses, nos désobéissances, nos insuffisances, nos tâtonnements, c'est juste à cause de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Donc ce matin, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur de nous accorder le privilège d'être vivants et de le connaître et surtout d'être connu de lui. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être avec mes filles ce matin et c'est avec eux que nous allons passer avec vous dans vos maisons en ce moment de confinement, ce culte dans la présence de Dieu. Nous allons commencer avec la prière et recommander toutes choses à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Du fond de nos cœurs, nous sommes reconnaissants. C'est un petit mot, merci, avec moins de 10 lettres. Mais ce petit mot incarne notre reconnaissance et notre gratitude à l'égard de tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous, jour après jour. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, Père, Créateur des cieux et de la terre, de nous avoir donné Jésus, le don le plus précieux de l'humanité, qui fut offert à l'homme 2000 ans sur la croix du calvaire. Le salut nous a été accordé à nous tous, nous-mêmes qui n'étions pas des citoyens de la maison de Dieu, des païens, des gentils, des nations. Nous avons eu le privilège et la grâce d'être aujourd'hui, par la foi en cette œuvre salvatrice, intégrale et totale et parfaite
d'être reconnus comme des enfants de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir gardés tout au long de la nuit, cette semaine qui s'achève. Et merci d'avoir protégé les nôtres. Et même si nous avons perdu, même si nous avons pleuré, même si les choses ne semblent pas aller au rythme que nous avions prévu le 31 décembre, alors qu'on priait pour cette année, nous voulons croire, Seigneur, que toi, tu ne paniques pas. Les nations paniquent, mais toi, tu ne paniques pas. Les institutions régionales, sous-régionales paniquent, mais toi, tu ne paniques pas. Les hommes paniquent, l'OMS panique, mais toi, tu ne paniques pas. Seigneur, toi, tu ne réagis jamais. Toi, tu agis toujours. Tu n'es pas comme nous qui cherchons des stratégies pour survivre en cette époque. Nous pensons à utiliser nos économies, à appeler des amis, à faire recours à telle ou telle autre personnalité pour avoir quelque chose pour survivre. Toi, tu as dit, depuis ta jeunesse, j'étais avec toi. Et jusqu'à ta vieillesse, je veux te porter. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité mendier son pain. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un Dieu aussi merveilleux que toi. Et c'est ensemble avec ceux qui sont ici, sur ce plateau, et ceux qui nous suivent en direct, que nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour nos familles, merci pour la santé, merci pour Jésus, merci pour le Saint-Esprit, et merci pour le privilège d'être devant toi dans ta présence et d'écouter le son de ta voix. Nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas faire et dire aujourd'hui, cette semaine et tout au long de cette année. Au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. On peut acclamer très fort pour Jésus. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Amen, amen. Comme un tonnerre qui ne s'annonce pas. Hier, les réseaux sociaux ont été saturés par cette annonce. Dimanche matin, au Prophetic Sunday, la porte des cieux parlera d'un thème assez étonnant, assez ambigu, qui a suscité beaucoup de questions et beaucoup de réactions. J'ai reçu par mail et via les réseaux sociaux plusieurs réactions des gens qui se sont dit « Prophète, que veut dire encore ce thème ?» On parle de COVID-19 ici, on parle de vaccins, on parle de l'OMS, on parle des millions de morts prévues ou bien projetées par les grandes institutions occidentales concernant le nombre de morts qu'on aura ici en Afrique. On parle de tant d'autres choses actuellement, mais comment tu peux nous apporter encore cette nouvelle comme quoi ils vont effacer la Bible. Ils vont effacer la Bible. Alors ce matin, j'aimerais, de partout où vous êtes en confinement, en famille, s'il vous plaît, vous savez comment cela se passe, de coutume, allez au bas de l'écran, partagez le live, invitez vos amis, un grand nombre de personnes et permettez à des milliers de personnes d'écouter la voix prophétique et d'entendre le son de la voix de Dieu. De tous les temps et dans tous les âges de la terre, Dieu s'est servi des prophètes. Ou en d'autres termes, il s'est aussi servi de la voix prophétique. Dieu a fait en tout temps connaître sa pensée par des hommes qu'il a tirés du milieu du peuple pour faire entendre sa voix. Et avec humilité, je viens devant vous faire part de certaines informations, mais aussi de certaines stratégies. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. J'étais en train de réfléchir sur l'évangélisation. C'est au fait le nœud de ma réflexion. Je réfléchissais si nous évangélisons comme il faut durant cette période de pandémie. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je me suis posé la question. J'ai même posé la question à plusieurs personnes me disant est-ce que nous évangélisons bien ? Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, d'apporter la bonne nouvelle, d'aller direct sur les téléphones des gens, leurs écrans, leurs tablettes. Mais est-ce que nous présentons bien la bonne nouvelle? Parce qu'en même temps, j'ai peur que l'on profite de la psychose pour donner un message eschatologique, mais extrême, avec pour but de faire peur aux gens. Voilà, c'est la fin du monde. Voilà, Jésus revient. Voilà, l'enfer existe. Voilà, pire va arriver après COVID-19, et tout le monde maintenant veut recevoir Jésus. Je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que nous pouvons profiter de la peur des gens pour les annoncer la bonne nouvelle? Mais en même temps aussi, c'est vrai, quand on dit qu'on est sauvé, on doit être sauvé de quelque chose, n'est-ce pas? On est sauvé de la mort, on est sauvé de l'enfer,
Donc, est-ce que c'est mauvais de parler de l'enfer? C'est mauvais de parler du pire qui va arriver? Est-ce que c'est mauvais de parler de la mort éternelle? Alors, j'étais en train de réfléchir sur tout ça et le Seigneur a remonté dans mon esprit une information qu'il m'a donnée. Ça fait quelques semaines. Je pense que la technique va arranger un élément sur ça plus tard. Mais j'ai eu à prophétiser ici, si vous vous rappelez, en direct. Et j'ai dit que les temps sont en train d'arriver où Apple Store, Google Store, ou tous ces stores en ligne qui nous permettent de télécharger des applications vont effacer la Bible. Ils vont effacer les Bibles. Toute Bible numérique va disparaître. Tout ce qui est de Bible, applications chrétiennes, et même pire encore, enfant de Dieu, j'aimerais rajouter autre chose aujourd'hui, pire encore, la persécution qui va venir actuellement sera différente de toutes les persécutions. Aujourd'hui, quand vous allez dans un site que je consulte souvent, Index mondial de persécution, ou bien Index de persécution mondiale, c'est un fichier PDF que met à la disposition du public et des chrétiens surtout, une structure qu'on appelle Porte Ouverte, que je suis, ça fait des années, depuis que j'ai fait la missiologie, j'étais en contact avec le réseau des églises persécutées, combien est dur de vivre la vie chrétienne dans certains coins du monde. Et j'ai commencé à suivre un peu l'évolution de comment les églises dans le monde sont persécutées, les chrétiens qui sont tués, là où les Bibles sont interdites, là où il est impossible d'entrer avec des Bibles, là où on peut t'arrêter à cause du fait de la pratique du prosélytisme, donc de gagner des autochtones, comme un peu au Maroc. Je suis tombé sur ça et j'ai vu que la persécution aujourd'hui, dans la troisième révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, première révolution industrielle, c'est passé autrement. Même à l'époque des chrétiens, on les mettait en prison. On les mettait en prison, on les flagellait, on les lapidait avant que ce ne soit la Russie aujourd'hui, l'ex-Union soviétique. Ce grand bloc de glace était un bloc vraiment de glace parce que la foi chrétienne n'était pas tolérée. Les chrétiens mouraient en désordre. Bref, l'Église a été en tout temps, depuis qu'elle existe, objet de persécution. Acte 4, la première persécution. Quand vous allez dans acte 9, acte 8, 9, acte 12, et j'en passe. Mais aujourd'hui, la persécution va être différente. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on va encore venir avec des camions pour arrêter les chrétiens. Loin de là, la persécution qui arrive, enfant de Dieu, sera tout à fait différente. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos nations, la laïcité est acceptée, légiférée. On vous laisse vivre votre chrétienté parce qu'à cause de la mondialisation, de la globalisation, on permet à plus ou moins tout le monde de se retrouver dans un contexte où il peut librement exprimer sa foi, n'est-ce pas, monsieur le politicien? Et la persécution ne sera donc pas d'uniquement persécuter une religion en faveur d'une autre. Mais dans certains cas, dans certaines régions du monde, comme au Moyen-Orient et dans d'autres pays islamiques. Mais la persécution sera numérique. La persécution sera dans la technologie. La persécution sera même sur le net. Aujourd'hui, enfants de Dieu, avec la pandémie, nous sommes tous à la maison. Shutdown, on a fermé toutes les églises et les lieux de rassemblement. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. N'avez-vous pas appris que récemment, les vidéos de plusieurs personnes, de plusieurs pasteurs avaient disparu? On avait comme annulé plusieurs vidéos. Certaines vidéos ont réapparu, je crois, quelques jours après, d'autres non. Vous devez savoir, enfants de Dieu, que les temps viennent où ces gens qui gouvernent le monde, les hommes qui gouvernent le monde, vous avez des grands moteurs de recherche comme Google, qui aujourd'hui dans le domaine de la médecine, de la technologie, de la cyber. Cybersécurité, ils ont diversifié leur manière, leur mode opératoire. Ces gens-là aujourd'hui, croyez-moi, ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des enfants de Dieu. Le président Donald Trump qui subit une grande persécution, qui n'est pas aimé même par vous les chrétiens, parce que vous ne comprenez pas en tant que fils d'Issachar pourquoi Dieu a établi cet homme. Savez-vous qu'en 2019, le président Donald Trump a
institué le retour de l'étude biblique dans la Maison Blanche. Il a retiré tous les insignes, tous les emblèmes, tous les signes de l'islam de la Maison Blanche. Cette Maison Blanche qui, quelques années passées avec Barack Obama, a été illuminée avec cette couleur arc-en-ciel qui symbolise le monde des homosexuels. Il a retiré tous les signes, il a instauré l'étude biblique de la Maison Blanche. Et même encore, il allait bien plus loin que ça. Il travaille en accord avec certains gouverneurs d'État, puisque vous savez, aux États-Unis, les États sont indépendants. Et afin qu'on remette, comme autrefois, les Bibles dans les écoles et l'étude biblique dans le cursus scolaire au niveau des écoles et même des universités. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, mais la Bible déclare que les temps viennent. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Les temps viennent où la prophétie d'Amos va se réaliser. Il arrivera un temps où Dieu enverra la faim, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. La persécution va se diversifier. Et si on ferme aujourd'hui Internet? Pardon, excusez-moi. Et si aujourd'hui, on bloquait tout ce qui était de chrétien? Vous avez votre site chrétien, il est à la télévision, et du coup, vous réalisez que pour une raison ou une autre, on bloque cela. On bloque vos pages Facebook avec 3 millions de vues. On bloque vos chaînes YouTube avec certains contenus. Aujourd'hui, on doit évangéliser les musulmans, n'est-ce pas? Mais avec la mondialisation qui va continuer à prendre de l'ampleur, et si aujourd'hui on vous empêche de prêcher la parole aux musulmans, on commence à effacer, à bloquer toutes les vidéos que vous faites sur Internet comme quoi il faut évangéliser. Comment évangéliser un musulman? On bloque cela parce qu'on met la promotion à la liberté de religion. Frères, nous devons réfléchir autrement. Cette pandémie et ce confinement doivent nous donner en tant que Église apostolique et prophétique une réflexion tout à fait différente sur les nouvelles manières dont nous pouvons utiliser pour apporter la bonne nouvelle. Et si on bloquait aujourd'hui enseignement.com? Et si on bloquait Casarema? Et si on bloquait nos chaînes YouTube? Et si on bloquait tous les contenus évangéliques éveillant l'attention du monde sur le Covid-19, sur tout ce qu'ils sont en train de faire derrière, behind the scene, comme on dit en anglais? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gagner les âmes? Alors, il faut anticiper. Lorsqu'on est une église prophétique, il ne faut pas réagir, mais il faut prévenir. Il faut anticiper. Aujourd'hui, nous payons le loyer de l'église, mais personne n'est là. Il n'y a pas d'entrée financière. C'est aujourd'hui qu'on réalise l'importance de ces messages qu'on nous donnait, comme quoi il fallait faire des économies. Il fallait panier de l'argent, même dans un contexte familial. Nous en voyons l'importance aujourd'hui. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Je crois que l'église de la francophonie, si vous êtes d'accord avec moi, l'église de la francophonie doit voir différemment les choses, doit réfléchir différemment aujourd'hui, parce que les enjeux sont tels que les choses vont être très compliquées. Je vois le très honoré pasteur Chris faire des vidéos pour élever l'attention des gens à ce sujet, mais je vous informe que bientôt, faire ce genre de vidéos ne sera plus possible, parce que ce sera une attaque frontale, et ne tolérerons pas cela. Donc tant qu'on a l'opportunité aujourd'hui, nous devons évangéliser avec les moyens que nous avons et déjà anticiper sur comment nous allons nous adapter dans les temps sombres qui vont arriver avant l'enlèvement de l'église. Alors soyez les bienvenus encore, on peut acclamer très fort. Soyez les bienvenus ce matin à notre dimanche. Ce matin nous serons vraiment dans un culte purement classique et nous voulons que vous puissiez être bénis, édifiés par la parole de Dieu. Alors j'aimerais recevoir ici personnellement durant 1 minute et 30 secondes plusieurs personnes qui sont en direct et qui sont en train de suivre ce message. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Ok, d'accord, dites-moi partie d'où est-ce que vous nous suivez. J'aimerais juste vous saluer avant de pouvoir partager la parole de ce matin, île de la Réunion. Soyez bénis, Heidi, God bless you. Soyez bénis. Depuis la France, Christ Espoir. Nous prenons déjà nos carnets. On va entrer dans les Écritures. Christ Espoir depuis la France, sois le bienvenu. Orléans, Lyon, Lionel, merci d'être connecté.
Miss, depuis la France, Port-Prince, Haïti, Corvoissier. God bless you, Montpellier, Peggy, merci beaucoup ma fille, sois bénie. 4h du matin, ok, Guyane française, missionnaire Florent, merci d'être là. Depuis la commune de Lingwala, Martin, sois béni là où tu es. Franck, je ne dors même pas, je dois suivre Dad. Là, c'est Franck, mon fils, depuis Minnesota, aux États-Unis. Claude Cédel Kalongi, sois béni, maman. Kinshasa, ma compagne, que Dieu bénisse la famille Kalongi. Côte d'Ivoire, Timothée Quadio, merci d'être connecté. Gabon, Libreville, ma fille Marie-Angelina, God bless you. France, Ferdinand, sois béni. Les gens m'ont dit, même des États-Unis, qu'ils ne vont pas dormir parce qu'ils doivent suivre le direct, ils ne veulent pas se connecter à la rediffusion. Depuis Lyon, wow. MacDag, sorry si je n'ai pas bien prononcé. Je suis congolais, ce n'est pas très évident. France, Côte d'Ivoire, Espérant, merci. Gabon Blanche, merci beaucoup d'être connecté. Depuis Éthiopie, Denise, Denise, sois béni. J'espère venir en Éthiopie. Côte d'Ivoire, Jossi. Merci beaucoup. Depuis la Guyane, waouh, Véro, super fan, Dieu te bénisse. Voilà, allez au bas de l'écran, invitez vos amis, partagez le live. Nous allons entrer maintenant dans la parole de Dieu et nous croyons que le Saint-Esprit va nous faire grâce encore aujourd'hui. Kinshasa, Ngalima, Manuel, Emmanuel, Moutouale, merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu bénisse tous ceux de Ngalima. Je pense à ma mère et à toute ma famille là-bas en confinement. Lubumbashi, Georges, merci d'être connecté. Voilà. Allemagne, God bless you. South Africa, Espoir Bunga, merci d'être connecté. Depuis Urundi, Joachim, Imana Eshimwechane. Ok, depuis la France, Titi Mengi, on vous attend en France, papa. On ira en France? Après confinement? Depuis Nancy, Corinne, merci d'être connecté. Depuis Londres, Franck Alain, Shalom Prophète des Nations, God bless you. Côte d'Ivoire, Yvonne Yoboué. Voilà, on va commencer depuis la Tunisie. Trésor, que Dieu multiplie des choses en toi, qu'il te fait accomplir beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup Stellaire. Voilà, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous comptons sur vous pour inviter vos amis, partager le direct et être connectés à la révélation de la parole prophétique. Alors j'aimerais que nous puissions lire quelques textes de la parole de Dieu ce matin. Je pense que le micro, il est déjà, d'accord, activé. Un autre signe, ils vont effacer la Bible. Soyez très concentrés. Je vais vous partager des choses très importantes ce matin. Deutéronome, chapitre 17, verset 19. Deutéronome 17, verset 19. Deutéronome 17, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, paroles du Seigneur. Néhémie 8, verset 3. Néhémie chapitre 8, verset 3. Néhémie 8, Néhémie Esdras. Néhémie 8, verset 3. Moi, j'anticipe alors. Je vous donne un autre verset, ok? Néhémie 8, verset 3, je vais lire. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place
qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. On va prendre un autre texte que vous allez lire. On va lire psaume 1, verset 2. Psaume 1er, verset 2e. Psaume de David, 1, verset 2. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On va lire un autre texte dans Ésaïe 29, versets 11 et 12. J'aime beaucoup ces versets. Ésaïe 29, 11 et 12. Ésaïe 29, 11 et 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est caché. » Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Telle est la révélation, n'est-ce pas? Yes. C'est comme un livre qu'on a cacheté. On ne peut pas l'ouvrir. Parce que c'est secret, c'est caché. Comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Il ne peut comprendre ce qui est écrit parce qu'il ne sait pas lire. Telle est la révélation. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alors suivez-moi attentivement. Enfants de Dieu et peuple de Dieu. Alors ça fait 3-4 jours que les médias aux États-Unis ont fait connaître un événement qui a eu lieu, un clash qui est actuellement entre une église aux États-Unis, en Californie en particulier. Et j'aurais même appris qu'en Californie, on ne permet pas aux gens de faire la louange durant les directs. Vérifiez-moi cette information. J'ai vu un prophète en parler qu'aux États-Unis, en Californie, vous faites un live et il y a la louange, on vous bloque. Vérifiez-moi cette information. Mais il y a eu un problème entre une église et Google. Google a, par son bureau exécutif, envoyé une notification, un mot, au mail attaché à une application d'une église aux États-Unis, pour leur annoncer qu'ils allaient bloquer leur application. Pourquoi? Parce que pour eux, selon la politique, Google a estimé que le contenu de leurs propos, de leur manière de procéder par rapport à ce Covid-19 n'était pas en accord avec la politique imposée, avec l'éthique. Et ils ont retiré cette application. L'Église en a parlé et a fait jusqu'à ce jour beaucoup de bruit. Des grands magazines comme Charisma et plusieurs autres plateformes numériques web aux États-Unis sont en train d'en parler. C'est, je pense, l'application. Je vous donne quelques détails ici. Vous pourrez aller chercher vous-même. Voilà. Le problème qu'il y a eu, c'est entre... Voilà. Google Play suspend l'application de l'église évangélique en raison de la politique relative aux événements sensibles de Covid-19. OK. Les références que je vous donne... C'est aux États-Unis, OK, une vue extérieure du siège de Google, également connue sous le nom de Googleplex, à Mountain View, en Californie, aux États-Unis. Ils ont suspendu l'application mobile lancée par une église évangélique de l'Idaho, affirmant que l'application viole la politique des événements sensibles du géant de la technologie lié à la pandémie de COVID-19. Vendredi dernier, l'église Christ Church de Moscou, en Idaho, a alerté ses abonnés de Google Play que Google Play avait suspendu son application Christ Kirk de Play Store. Google Play a suspendu notre application Christ Kirk aujourd'hui, lit-on sur Facebook.
Ceci n'est pas anodin, mes frères et sœurs. Ceci n'est pas à isoler dans un contexte eschatologique dans lequel nous nous retrouvons. À cause d'une certaine manière de faire, Google se permet de procéder ainsi. Ils ont fait et c'est ce qu'ils vont encore faire. Suivez-moi très bien, je vais vous emmener quelque part jusqu'à vous expliquer en détail comment ces choses vont se passer et quels sont les secteurs dans lesquels l'Église sera persécutée autour de ce qu'on appelle la Bible. Alors, l'un de mes mentors a fait un voyage missionnaire, l'un de ses premiers au Maroc, ça fait quelques années, et il est revenu avec une histoire qui m'a beaucoup touché. Il a dit au Maroc, je ne sais pas si cela est toujours ainsi aujourd'hui, mais il dit au Maroc, c'est déjà très dur de vivre sa foi chrétienne, mais aussi, lorsqu'on vous trouve, vous êtes des étrangers, et vous encadrez des Marocains, des autochtones, vous faites du prosélytisme, vous avez des Bibles, on peut entrer, vous arrêter, ok, vous arracher les Bibles, les brûler et vous mettre en prison. L'un des missionnaires, d'ailleurs, ça fait quelques années, qui était d'ailleurs entré au Maroc sous la couverture d'un ingénieur, je pense, ou un homme qui travaillait dans la société, mais sous couvert, il faisait l'évangélisation, il gagnait des Marocains. Cet homme a été saisi et a été rapatrié chez lui. Je pense que c'était un Français, si je ne m'abuse. Et le pasteur dit que dans ces réunions de prière, vous n'allez pas trouver des Bibles. Parce qu'on a peur qu'on ait été signalé. On vient, on vous trouve, on vous arrête et on arrache les Bibles. Alors, il y avait plusieurs frères, mais des frères qui ont maîtrisé les livres de la Bible. Par exemple, Émile, toi tu t'appelles frère Mathieu. Daniel s'appelle frère Daniel, par exemple, Daniel. Et Christian s'appelle frère Timothée. Ok? Frère 1 Timothée, 2 Timothée. Et mon fils, ici, il s'appelle par exemple Apocalypse. Ok, Clément? Apocalypse. Et Paul qui est de l'autre côté, on l'appelle peut-être... comment? On l'appelle Deutéronome. Ok? Et lorsqu'on dit frère 1 Timothée, 2 Timothée, vous avez la parole. Et tu commences, épître de Paul à Timothée, à toi mon fils bien-aimé. Là, il est en train de lire. Parce que sa mission à lui, c'est de retenir chaque livre de la Bible. Ça me rappelle le film Le Livre de Lee avec Denzel Washington. J'en parlerai aussi. C'est un livre que je vous recommande vivement. Parce que ce livre parle au fait des temps dans lesquels nous serons. Et je parlerai de combien Denzel Washington a donné une place de marque à la parole de Dieu dans sa vie. Il a été éduqué par sa mère, il a été formé par sa mère dans ce domaine-là. Frères et sœurs, et là on va donner la parole au frère Matthieu, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 28 et au dernier verset. Et c'est comme ça que les gens vivent leur chrétienté. Aujourd'hui, toi tu as le privilège de chanter, de rassembler des gens à l'église pour prier. N'oublie jamais que pour certains, c'est un grand luxe de se retrouver, de danser, de chanter. Ne t'en plains pas parce que tu n'es pas à l'église, ça fait 2-3 mois. Réjouis-toi au contraire, parce que la vie chrétienne revient à l'ère primitive où on était dans nos maisons sans être sur des places publiques. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que les gens vivent leur chrétienté. Tu as une Bible, est-ce que tu as lu ta Bible? Ça fait une semaine. Est-ce que tu as le temps d'ouvrir la Bible? Tu sais, un homme a dit, c'est souvent en perdant des choses que l'on reconnaît leur valeur. Tu as la Bible avec toi tous les jours. Elle ne s'ouvre que le dimanche matin lorsque tu vas aller à l'église. Tu as la Bible tous les jours, mais tu ne l'ouvres qu'à certaines époques, à certaines périodes de l'année où on parle de certaines fêtes chrétiennes. Pâques, Pentecôte, Noël, lorsque cela te vient à l'esprit d'accompagner ta femme à l'église. Lorsque cela te vient à l'esprit, d'accompagner donc tes enfants à l'église. Ce livre, tu ne l'ouvres que lorsque, après plusieurs tentatives, des témoins de Jéhovah entrent chez toi à la maison et qui veulent partager avec toi la parole, tu ouvres ainsi la Bible. Mais très rares sont les chrétiens assidus et aimant la parole de Dieu. Pourtant, ils ne savent pas que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, c'est un privilège que nous puissions l'avoir et lire ainsi. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu que nous avons, la Bible, celle que nous avons ici,
la Bible, j'espère que tu as ta Bible ce matin. La Bible que nous avons, celle-ci, pour toi aujourd'hui, c'est... You are taking it like lightly, comme on dit en anglais. Tu prends ça à la légère. Ou bien tu trouves que you are taking it for granted. Tu penses que c'est juste, ok, d'accord, c'est la Bible, d'accord. Mais crois-moi, il y a des gens qui meurent à cause de ce livre. Il y a des gens qui souffrent à cause de ce livre. Il y a des gens qui ont été détachés de leur femme, de leur mari, de leurs enfants à cause de ce livre. Il y a des gens qui ont vu la vie être ôtée de leur bien-aimé dans la maison à cause de ce livre dans certains pays asiatiques et même jusqu'à ce jour. Vous devez déjà savoir, j'aimerais vous rappeler ou bien vous informer sur quelques faits qui ont eu lieu durant l'histoire de l'Église. Vous savez, la Bible que nous avons ici n'est pas l'héritage de ceux qui ont été au concile de Actes chapitre 15 ou bien plus tard, ceux qui ont travaillé sur le canon des 66 livres. Non, non, non. La Bible que nous avons est le résultat de la réforme protestante. C'est-à-dire, 500 ans passés, au 15e siècle, un peu plus tôt d'ailleurs, des hommes comme Jean Hus, plus tard Martin Luther, moine qu'il était catholique, il se lève, il regarde le christianisme comme vécu à l'époque catholique romaine et ce qu'il avait, parce qu'à l'âge adulte, il pouvait avoir, selon ses fonctions, selon sa position dans l'Église catholique, il pouvait avoir une Bible, mais la Bible était interdite au peuple. Il n'y avait qu'une certaine classe de personnes qui pouvaient avoir le livre. La Bible était interdite à l'époque, à cette époque, avant le 15e siècle. C'est alors que des hommes comme Martin Luther se sont levés et ils ont dit non, il n'en sera pas ainsi. Et c'est après qu'on a pu avoir la première impression, les premières impressions à Gutenberg au 15e siècle, parce qu'il fallait que tous les chrétiens puissent être en possession de ce livre. Je vous donne quelques éléments ici, selon les notes que j'ai eu à écrire. En 303, l'empereur Dioclétien, ok, il a donné l'ordre de faire la chasse aux Bibles. En 303 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien a décidé de faire la chasse aux Bibles. On a brûlé les Bibles, on a arrêté ceux qui en possédaient. Il était interdit d'avoir des Bibles à cette époque-là. Et vous savez, Rome était toujours en pleine période d'hégémonie. Après cela, l'homme que nous connaissons, l'empereur Constantin, converti au christianisme, lui, a chargé même de faire exécuter 50 copies de la Bible complète. Il fallait brûler cela parce que la Bible appartenait uniquement à une certaine classe de personnes qui en avaient l'autorité, qui avaient l'autorité de l'ouvrir et de la lire. Constantin, 22 ans plus tard, et au Moyen Âge d'ailleurs, c'était interdit d'avoir la Bible. Et même ceux qui ont appris cela, notamment ceux qui sont en France ou ceux qui connaissent l'histoire, au 18e siècle, Voltaire, qui avait tenté de désacraliser la Bible, disait qu'un siècle plus tard, la Bible serait un livre de musée. On ne parlerait même plus de la Bible. Mais 26 ans après sa mort, c'est-à-dire en 1778, la Bible, aujourd'hui, a été diffusée dans le monde entier. Et lui, il est mort, il est resté dans l'histoire. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, est toujours là jusqu'à ce jour. En Corée du Sud, du Nord, par exemple, aujourd'hui, Corée du Sud, c'est avec Yong Isho, d'accord ? En Corée du Sud, aujourd'hui, il est interdit d'utiliser la Bible, interdit d'introduire les Bibles, d'interdire les Bibles en Corée du Nord. J'aurais appris qu'il y a comme une petite ouverture qui se fait afin que le christianisme soit accepté en Corée du Nord. Les îles Maldives, loin d'être une destination de rêve pour certains couples ou certains qui aiment voyager, dans les îles Maldives, il est interdit le port de la Bible. On ne permet pas aux gens d'avoir des Bibles. Au Maroc même, les rapports de persécution manifestent des chrétiens sont rares. Toutefois, il est interdit d'importer ou de posséder une Bible traduite en arabe dans ce pays. Au Maroc, interdit d'avoir une Bible traduite en arabe. Ça fait quelques années, j'étais invité à Bandal à porter la parole. Je crois que c'est juste là où il y a le centre de dépistage, hein, sur Chibangu. Comment on appelle ça ?
il y a une église protestante. SEPCO. Non, 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 c'est vraiment sur la grande route là, SEPCO. Juste là, il y avait Michael Cosmétique, un peu de l'autre côté. SEPCO, ok. J'étais invité, j'étais contacté par des chrétiens pour apporter la parole dans un centre, et je ne savais pas que ça existait, un centre des chrétiens, mais qui travaille pour la traduction de la Bible dans plusieurs dialectes de notre nation. J'étais choqué de voir qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans des langues et qui travaillent pour traduire la Bible afin que ce que nous avons en français, en anglais, en espagnol, soit traduit dans des dialectes de notre pays. Vous voyez combien il y a des gens qui ont une autre dimension de la mission. Pendant que toi, tu penses que le christianisme, c'est bling bling, c'est venir, qu'on prophétise pour toi, tu te plains parce qu'on ne t'a pas vu, parce que Daddy ne t'a pas répondu, tu te plains de certaines choses, il y a d'autres enjeux. Il y a des personnes qui ne connaissent ni le français, ni l'anglais, qui ne peuvent pas entendre ce que tu diras en anglais, mais qui ont besoin, dans leur langue maternelle, dans leur dialecte, ok, lire les Écritures et apprendre la parole de Dieu. Et ils ont commencé à me faire part des difficultés qu'ils avaient. Pas de financement, pas d'investissement, pas de chrétiens qui viennent. Les chrétiens sont habitués à donner à leur pasteur, à donner à leur apôtre, prophète, tiens, j'aime beaucoup ce que tu as fait, tu as prophétisé pour moi. Voilà, je t'offre la dernière ange. Voilà, j'offre la parcelle pour le rassemblement de l'église. Mais très peu de chrétiens savent donner de la valeur à la mission apostolique à l'église, accordée à l'église. Comme quoi, à l'effet de toutes les nations. Nation, c'est ethnos, c'est groupe ethnique. Ce n'est juste pas une nation, mais ce sont les ethnies, les regroupements humains, là où les hommes se regroupent et ont un dénominateur commun, que ce soit une entreprise, dénominateur commun linguistique, dénominateur commun culturel. Là, aller dans ces petits groupes et apporter la parole. Et ce sont les Bibles que l'on doit apporter. Vous savez, dans ce temps de confinement, on doit revoir notre christianisme. Le christianisme, ce n'est pas seulement être fils d'un père, père d'un fils, avoir les dîmes, les offrandes. Non, on doit voir les vrais enjeux du moment. Si on doit évangéliser et on doit gagner des âmes, il faut qu'on voie bien au-delà de nos stations de télé, bien au-delà de nos pages Facebook. Il y a des personnes qu'on peut toucher dans des prisons. Quelqu'un m'entend ? Qu'on peut toucher. Il y a plusieurs communautés, des pygmées. Il y a dans des villages, des gens qui n'attendent que ça. Dans Actes des Apôtres, le dernier chapitre, on dit « Cette bonne nouvelle a été envoyée aux païens et ils l'entendront. » Vous savez, ne dis pas « Ils ne connaissent pas la parole, comment vont-ils l'écouter ? Est-ce qu'ils seront... » Il est plus facile aujourd'hui de prêcher à des chrétiens que de prêcher à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. L'un des revivalistes disait à l'époque « Pourquoi certains entendront parler de l'Évangile deux fois alors que d'autres n'ont pas entendu une seule fois ?» Quelqu'un m'entend ? Pourquoi certains vont entendre l'Évangile deux fois alors que certains n'ont pas entendu, n'ont même pas entendu. Donc ne te plains pas parce qu'on ne t'a pas invité à prêcher. Ne te plains pas parce qu'on ne t'a pas introduit dans un réseau d'Internet, là où tout le monde prêche, toi, on ne t'a pas invité, non. Il y a des personnes qu'on peut gagner aujourd'hui. Voilà pourquoi ma prière est que le cœur de la mission revienne dans l'église. Amen. Je dis que le cœur de la moisson, le cœur de l'évangélisation, le cœur de la mission remplisse nos églises. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Que cela embrase nos cœurs, les chrétiens, les hommes, les femmes. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus et qui ont besoin de la Bible. Amen. Tu achètes des cabelles aujourd'hui. Tu es le premier à réclamer un iPhone 11 à ton fiancé, à ta fiancée. Tu es le premier à réclamer une PlayStation ou réclamer beaucoup d'autres choses à tes parents, à ton père, à ton patron, à tes amis, à ton mari, à ta femme, à tes enfants ou à quelqu'un qui a beaucoup. Tu réclames tant de choses. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas cette Bible, qui n'ont même pas le moyen de se procurer cette Bible, mes frères et sœurs? Ce temps de confinement doit nous permettre de réviser notre christianisme. Et si nous sommes à l'approche de l'enlèvement de l'Église, nous ne pouvons pas faire le christianisme juste pour les lives Facebook et pour voir combien de personnes y a-t-il en ligne. Nous devons ne jamais oublier que bientôt nous serons devant le Seigneur et Dieu doit te dire bon et fidèle serviteur. Voilà pourquoi nous ne nous battons pas pour paraître en public. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre 1040. C'est cette bande de terre à partir de l'Afrique jusqu'en Asie. Il y a une bande de terre où il y a le plus de pauvreté, où il y a le moins de personnes qui ont entendu parler de l'Évangile et il y a plus de persécutions. J'en parlerai une autre fois, peut-être dimanche prochain, quand je parlerai du nouveau réveil qui va arriver après cette pandémie. Nous devons revoir notre christianisme. On ne peut pas continuer à faire le travail de Dieu juste pour le mariage, voyage, blocage, freinage, mon âge. Non, il faut vivre ta vie chrétienne en conséquent.
sachant que Jésus revient bientôt et que autrement nous devons aborder notre vie chrétienne. Donc la vie chrétienne, c'est au-delà de toi, c'est au-delà de ta guérison, c'est au-delà de ta santé, c'est au-delà de tes enfants, c'est au-delà de ta prospérité, c'est au-delà de ta bénédiction. Ce sont des nations, des ethnos que l'on doit gagner parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. En Libye, la distribution des Bibles et l'évangélisation sont illégales dans ce pays. En Libye, en Ouzbékistan, dans cette dictature d'Asie centrale, les autorités gardent en détention toute personne possédant une Bible pour le motif de détention et stockage de matériel extrémiste en vue d'une distribution prochaine. Les frères et sœurs, c'est là où nous sommes. Dans certains de ces pays, alors que toi tu as ta Bible que tu n'ouvres même pas, ta Bible qui t'ennuie, lorsque tu lis, tu dois t'endormir. Tu peux lire d'autres livres comme des SAS, d'autres livres comme des Jeunes Afriques, des magazines. Tu peux tout lire, mais quand tu ouvres la Bible, tu commences à somnoler. On dit qu'au dos, tu commences à faire le coq. Okay, tu commences à somnoler et tu t'endors. Certains même, quand ils ne trouvent pas le sommeil, ils doivent prendre la Bible parce que la Bible est un somnifère aujourd'hui. Comment la parole de Dieu, la lettre écrite de Dieu à l'humanité, le livre sacré du christianisme, cette parole de Dieu peut être un sujet de somnifère pour toi, peut alourdir tes paupières et t'emmener à dormir. Tu es envoûté, tu es ensorcelé et tu n'es pas un chrétien. Tu as un christianisme médiocre. Tu es vraiment, je ne sais même pas comment dire, ce livre pour lequel beaucoup de gens sont morts au monde aujourd'hui. Des personnes financent, vous avez des structures comme la Bible des Gédéons. N'est-ce pas formidable ce qu'ils ont fait depuis des années? Est-ce que ça nous arrive de prier pour ceux de la Bible des Gédéons? J'étais en contact avec quelques-uns de leurs bureaux. C'était surprenant de voir qu'il y a des chrétiens qui, toute leur vie, leur évangélisation, c'était à partir de leur position financière, position familiale. Ils ont pris des Bibles de Gédéon. Il y en a partout. Il y en a dans les hôtels. Il y en a dans des hôpitaux. Ou encore. Okay. Même dans les écoles. C'est pour certains les livres des psaumes et le Nouveau Testament. Mais ils le font partout pour que plusieurs entendent parler de la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui doit être vécu différemment de ce qu'on a toujours fait. Dieu nous a confinés pour dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu nous a confinés afin qu'on puisse réévaluer notre vie, notre manière de marcher avec Dieu. Il n'y a pas de vision sans révision. Et à tout moment, lorsqu'on marche avec une vision, il faut réviser la vision. Et il n'est pas bon de vivre cette vie chrétienne comme celle que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu que nous avons est le fruit de la réforme protestante. C'est à Gutenberg qu'ils ont commencé à lancer les premières impressions publique de la Bible et pas la réforme protestante 500 ans avant. Depuis 2018, on a fêté les 500 ans de la réforme protestante au mois d'octobre. On s'est souvenu de Martin Luther et de la réforme protestante à Gutenberg qui fut le bastion de la réforme protestante, là où on a diffusé les Bibles et on a cassé le catholicisme pour dire tout chrétien a droit à la Bible, tout chrétien doit lire la Bible, tout chrétien doit connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen, amen. Prends ta Bible avec moi là où tu es. Là où tu es, prends ta Bible. Je veux que tu fasses un bisous à ta Bible là où tu es. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Tu dois aimer, tu dois lire. Oh, vous n'avez pas fait. Toi, tu as une Bible numérique ici? Ok, d'accord. Alors, je prêche ce message pour que vous puissiez aussi changer. Nous avons nos Bibles dans nos tablettes, nos téléphones. Ce n'est pas mauvais, mais vous devez avoir ceci. Vous devez l'avoir avec vous. Amen, amen, amen. Donne-moi un amen bien que je t'entende. On est à combien ce matin? Nous sommes ensemble. La main de Dieu. J'aimerais vous donner trois mots en hébreu, trois mots clés en hébreu qui peuvent vous permettre de survivre en une telle saison. Écoutez-moi, la Bible déclare, les temps vont venir où Dieu enverra, comme je l'ai dit en amont, la faim non du pain, la soif non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Je répète, d'entendre les paroles de l'Éternel. Je répète, d'entendre la parole de l'Éternel. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Les temps viennent, avant l'enlèvement, je précise,
où il n'y aura plus de Bible numérique. Ok? Parce que les chrétiens s'habituent tellement à Bible dans mon téléphone, Bible dans ma tablette. Ok? Que les temps vont venir où on va attaquer fortement ces réseaux de distribution des Bibles dans le monde. Ok? On va bloquer les applications. Mais c'est pendant cette période de grande famine qu'il faudra non seulement avoir la Bible, la parole de Dieu, mais avoir aussi la révélation de la parole de Dieu. Écoutez-moi, à l'époque de Joseph, l'histoire de Joseph nous enseigne beaucoup avec les deux songes de Pharaon. Il a dit, parce qu'une famine va arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des réserves. On doit faire des stockages. Okay? On doit stocker de la nourriture, des vivres. Lorsque la famine arrivera, on aura la capacité non seulement de se nourrir nous, mais de nourrir aussi les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, il dit, faites des provisions, parce que dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. Frère, les temps viennent, il y aura une carence non seulement de la Bible, mais une carence aussi de la parole révélée. Amen. Et seuls ceux qui ont fait des réserves sont ceux qui vont survivre. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, lis la Bible, connais la Bible, entre dans la Bible, nage dans la Bible, fais des dépôts parce que le temps vient où dans certains pays où tu seras, il te sera interdit. On aura bloqué la Bible numérique. On aura aussi interdit, ok, interdit l'usage de, l'entrée de ce livre. Comment vas-tu survivre sans la parole de Dieu? C'est ainsi que j'ai toujours l'habitude de dire. La Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare à l'époque de Samuel. Mais quand vous lisez, il y avait les 10 commandements dans l'arche. Parce que dans l'arche, là où le sacrificateur Élie était, il y avait, n'est-ce pas, la Torah. Donc la parole de Dieu était là. Il y avait la verge de Moïse qui avait fleuri. Et il y avait quoi? Le pot de manne, okay, qu'on appelait aussi la manne cachée. Mais comment peut-on dire que la loi était là, la parole était là, mais on dit la parole de l'Éternel était rare? Parce qu'il est possible d'avoir ça sans avoir la parole de l'Éternel. Amen. Et que m'entends? Amen. Il est possible d'avoir ça sans avoir la parole de l'Éternel. Alors, j'aimerais vous donner 3 mots-clés en hébreu qui peuvent vous permettre de faire un avec la parole. Et puis, je vais vous expliquer ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Amen. Commençons d'abord avec quelques généralités sur la Bible que j'aimerais vous donner ici. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On dit la Bible vendue à 6 millions d'exemplaires par an. C'est le livre le plus vendu au monde, distribué au monde. La Bible est le livre religieux des juifs et des chrétiens. Vous savez, quand vous étudiez la hiérologie, c'est l'étude des textes sacrés. En tant que chercheur et prophète aussi, j'ai eu à étudier certains livres sacrés. Ok? Toutes les religions, là où l'homme est connecté à une divinité, il y a toujours eu l'expression de la pensée de cette divinité, ou bien les récits de ceux qui marchèrent, ou de ceux qui ont entendu, qui ont vécu en premier le contact avec cette divinité. Et plusieurs religions ont leur livre sacré, la Bible est le livre sacré contenant dans l'Ancien Testament, dans la Tanakh, auquel les Nevim et les Ketuvim, l'histoire des Juifs, et dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, l'histoire de Christ et de la première Église, et se clôturant avec le livre d'Apocalypse. Le Coran, c'est le livre sacré des musulmans. La Torah, c'est pour les Juifs. Le Zabur, c'est pour les Sabéens, okay, qui sont au niveau du Yémen. C'est une religion. Une croyance aussi reconnue dans le Coran, on en parle dans le Coran aussi. Il y a le Veda, okay, ce livre des visions, Veda, connaissance ou bien vision, qui appartient aux sages au niveau de l'Inde. Okay. Plusieurs religions, même plusieurs croyances ésotériques ont des livres sacrés. Et le livre sacré des chrétiens, c'est ce qu'on appelle la Bible. Amen. 100 millions d'impressions vendues à 100 millions d'exemplaires par an.
C'est le livre religieux des Juifs et des chrétiens considéré comme la parole inspirée de Dieu. Elle est composée de 66 livres, je lis juste mes notes, et elle vient du grec biblos, qui veut dire les livres. Ok ? Avec plus de 30 auteurs différents, dans différentes périodes avoisinant 1600 ans, nous voyons des hommes qui ont écrit dans différentes époques, qui ont écrit dans différents secteurs de la vie. Néhémie était échanson, Pierre était pêcheur, Paul était docteur de la loi, il était un pharisien, ok. Et de différentes classes de la société, ils ont écrit. Et il y a une telle cohérence, un tel alignement d'idées dans la Bible. La Bible est un livre crédible. Il n'est pas juste crédible sur le plan spirituel, mais il est aussi crédible sur le plan technique, sur le plan scientifique. Ceux qui ont lu la Bible savent qu'il y a une cohérence dans la manière d'écrire, dans l'écriture. On sent l'authenticité dans la Bible. Sinon, elle n'allait pas figurer parmi les livres les plus reconnus aujourd'hui du monde. Même les musulmans en parlent, même ceux de réseaux ésotériques en parlent aussi. Et voilà, la Bible est le livre le plus diffusé de l'histoire. Disait The World Book Encyclopedia. Ok ? Je lis parce que ça sera plus facile que nous puissions faire ainsi. La Bible est traduite aujourd'hui à plus de 2400 langues dans le monde. Et je célèbre aussi le travail que fait le pasteur Christian Aquilomé avec Rhapsodies of Realities. Aujourd'hui, ils sont à plus d'un milliard et ils disent pour eux dans toutes les langues du monde. Distribués partant des palais royaux jusqu'aux présidences et même dans les maisons des pauvres. Le monde entier aujourd'hui est touché par ce genre de traité, de livre qui apporte la parole de Dieu, qui interprète, qui prêche, qui parle de la parole de Dieu. Ok, la parole parle, qui parle de la parole de Dieu dans le monde entier aujourd'hui. Et nous prions Dieu que ce soit aussi autant pour nos églises, que l'on puisse travailler de cette manière à toucher un plus grand nombre de personnes. Amen, amen. Amen. Et la Bible est juste formidable parce que plusieurs hommes d'État dans le monde lisent la Bible. Plusieurs hommes politiques ont accepté la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à... Je vous donne trois mots en hébreu qui peuvent vous permettre de faire un avec la Bible. C'est-à-dire, non seulement de comprendre ce qui est écrit, que ce soit numérique ou bien que ce soit en papier, mais aussi lorsque vous n'avez pas de Bible numérique et vous n'avez même pas de Bible en papier, partout où vous êtes, vous avez la capacité de non seulement méditer la parole, retenir la parole, mais aussi avoir la capacité de bien la diffuser dans votre génération. J'ai, au début de ma foi chrétienne, connu une expérience qui m'a vraiment poussé à être enseignant de la parole. Et bon, plusieurs reconnaissent en moi un docteur, un enseignant de la parole. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ma quête a commencé comment avec la Bible? Je vais commencer par là. Lorsque Dieu m'a appelé, j'avais 15-16 ans. Je ne connaissais pas grand-chose de la parole de Dieu. Et Dieu m'a appelé et j'étais tout feu, tout flamme pour aller évangéliser. J'étais ambitieux, à vrai dire. J'avais envie très jeune de prêcher la parole, parler dans les conventions, parler dans les séminaires de la parole de Dieu. Mais j'avais un inconvénient. J'étais très mince et beaucoup de gens qui me voient peuvent me donner moins que l'âge que j'ai parce que j'ai un visage très jeune. Et j'étais vraiment plus jeune que ça. Alors, j'étais tout petit, j'étais un petit enfant, j'étais un adolescent, j'étais même pas majeur, j'étais mineur. Mais je m'étais dit, comment je peux apporter la parole et être reçu par les aînés? Comment je peux être accepté avec l'appel que Dieu m'a donné et attirer l'attention des gens? C'est là que j'ai décidé, Emile, de me dire, je vais commencer à étudier la parole. Je me suis dit, je suis jeune, je suis d'apparence très jeune, mais je vais donner aux gens l'envie de m'écouter. C'est là que j'ai commencé à me challenger. J'ai commencé à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai commencé à étudier la Bible, à lire les commentaires bibliques, à approfondir la connaissance de la parole. Et très tôt, 18 ans déjà, j'ai prêché sur la même chaire que le pasteur Kondo Akondo. 18 ans déjà, je prêchais dans des conventions avec le pasteur Sita Luemba.
Il prêchait un jour, moi je prêchais un autre. Et on se disait, mais ce jeune évangéliste-là de l'église Déborah, mais lorsqu'on me laissait le temps de prêcher, les gens se disaient, waouh, parce que je m'étais dit, je dois mettre le niveau, mettre la parole à un certain niveau qui fera en sorte que même ceux qui vont me mépriser à cause de mon âge se disent, il y a quelque chose que nous, nous n'avons pas. Et les années sont passées, j'ai commencé à suivre le pasteur Ayo Oriji Jafor, qui aujourd'hui est l'un des pères au Nigeria, suivre aussi le bishop David de Edepo, à l'époque même. Et quand j'étais en contact avec leur prédication, ça m'étonnait de voir le bishop au Edepo, en une prédication, citer 20 versets bibliques, 30 versets bibliques par cœur. 1 Timothée 1, verset 1, il lit. Verset 2, il lit, sans ouvrir la Bible. Le verset 14 maintenant dit, et je me suis posé la question, comment des prédicateurs pouvaient, beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, comment tu peux citer autant de versets et sans que tu ne sois préparé? Parce que j'ai été challengé. J'ai dit, je ne peux pas être un prédicateur aujourd'hui sans retenir la parole. On a retenu des chansons, on a retenu des poèmes, poésie. Mais combien de gens peuvent aujourd'hui citer 10 versets bibliques par cœur? Ok? Combien de gens aujourd'hui peuvent citer 20 versets bibliques par cœur? Très peu peuvent retenir les mauvaises paroles qu'ont sorties leur maman lorsqu'elles avaient 5 ans ou bien 10 ans. Mais très peu, est-ce que quelqu'un m'entend? Très peu de personnes peuvent retenir la parole. J'aimerais te challenger, mon frère, ma soeur. Ce temps de confinement doit être un temps d'enseignement. Doit être un temps où, à part le fait de parler d'eschatologie antichrist, tu dois toi-même approfondir ta connaissance de la parole de Dieu. Tu dois toi-même approfondir ta connaissance de la Bible. Tu dois toi-même être assoiffé de la parole. Beaucoup de gens disent, prophète, tu prêches avec profondeur, tu expliques avec profondeur. Je vous donne les clés aujourd'hui. Je vous donne 3 mots-clés en hébreu. Écrivez avec moi, Kara. Q-A-R-A. Kara. Ok? Kara. Je vous donne 3 mots-clés qui peuvent vous aider à faire un avec la Bible. Lorsque vous n'avez aucune Bible avec vous, numérique ou écrite, mais aussi à faire un avec la Bible afin d'intégrer la parole dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps et de la vivre au quotidien. Kara, n'est-ce pas? On a dit c'est Q-A-R-A. Le deuxième mot, c'est Aga. H-A-G-A-H. Ok? H-A-G-A-H. H-A-G-A-H. Troisième mot, Darash. D-A-R-A-S-H. Ok? Q-A-R-A. Ok, on a dit c'est. Ok, aidez-moi. Premièrement, c'est. Kara. Aga et Darash. Avec moi, Darash. Aga. Kara. Encore, Darash. Aga. Kara. On va au commencement. Kara. Aga. Et Darash. J'aimerais que tu tapes cela là où tu es, comme ça, tu vas retenir cela. Le premier mot, c'est Kara. Le deuxième mot, c'est Aga. Et le troisième mot, c'est Darash. Ok? Kara. Aga. Et Darash. Fais un peu d'hébreu aujourd'hui. Kara, Aga et Darash. On revient pour la dernière fois. Kara, Aga et Darash. Ok. Kara, Aga et Darash. Ce sont 3 manières différentes en hébreu d'aborder la parole de Dieu. Et ces 3 mots que je vous ai donnés vont aussi de manière graduelle. Vous allez voir qu'on commence au premier niveau, on va au deuxième et on finit au troisième. Alors, Kara veut dire lecture. Ok? En hébreu. Kara veut dire lire. Kara veut dire lire. Deutéronome 17, verset 19. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Néhémie 8, verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au soir. Tout le monde était là. Esdras, docteur de la loi, scribe, vint et il lit le livre, ok, du matin jusqu'au soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. Néhémie 8, verset 3. Il a lu du matin au soir en présence de tout le peuple. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire kara. Ok? Chez les juifs, c'est de coutume, lors des rassemblements religieux, dans les synagogues ou même dans le temple, c'était de coutume de lire une portion de la loi. De lire une portion de la loi. Et après, il y avait comme des commentaires, n'est-ce pas? Il y avait des pharisiens, sadducéens, ils faisaient toujours des commentaires autour du livre de la loi. Même dans les Actes des Apôtres, vous allez voir cela. Acte 13, verset 15. Après la lecture de la loi, Kara et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. C'était de coutume. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, quand il parle du ministère de l'Esprit et de la loi, il parle ici de la coutume. Ok? Ils ont toujours le voile parce que quand ils font la lecture. Donc c'était normal de faire la lecture, mais aussi l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Dites avec moi la lecture. Applique-toi à la lecture. Participe avec moi ici. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ok? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ok? L'apôtre Paul dit à Timothée, tu es un serviteur de Dieu, tu es un évêque, tu es un bishop, tu es un pasteur, tu es un apôtre. Mais jusqu'à ce que je vienne, je veux que tu donnes une grande place, que tu t'appliques, que tu t'attelles à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Est-ce que tu kara la parole? Alors, kara en hébreu veut dire appeler, citer, lire, s'écrier ou proclamer. Donc, lecture en hébreu, kara ne veut pas dire lire à basse voix ou bien lire avec les yeux. Kara en hébreu veut dire lire à haute voix. Ok? C'est proclamer, appeler, nommer, citer. Ok? Lire avec les yeux, mais utiliser la bouche pour dire ce que l'on voit, dire ce que l'on lit. Amen. C'est lire à haute voix, ou bien se lire, c'est convoquer, inviter, appeler, ordonner, désigner, appeler, ou bien doter. C'est le même mot qu'on utilise, même quand on dit que Dieu nomma, que Dieu appela. Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est appeler, c'est nommer, c'est identifier de manière verbale, c'est lire à haute voix. Alors, tu dois avoir l'habitude, mon frère, ma soeur, de lire la Bible à haute voix. Lorsque tu lis à basse voix, quelqu'un est avec moi? Lorsque tu lis à basse voix, écoute-moi bien, lorsque tu lis à basse voix, tu... N'oublie pas que tu as entre 60 et 70 000 pensées qui te traversent la tête tous les jours, n'est-ce pas? Tu as des pensées qui te traversent la tête et tu n'es souvent pas concentré dans ce que tu... Il y a beaucoup de pensées dans ta tête. Et lorsque tu lis à basse voix, tu peux le faire lorsque tu es calme, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais tu dois avoir l'habitude de lire à haute voix, c'est-à-dire Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que lorsque tu lis à haute voix, non seulement tu lis et qu'il y a de l'impact dans le monde spirituel, mais ce que tu lis rentre dans tes oreilles, entre en toi et tu as la facilité de retenir cela. Même lorsque tes pensées sont brouillées, tu peux néanmoins te rappeler de quelque chose que tu as entendu avec tes oreilles. C'est quelqu'un m'entend? Tu dois kara. La première manière d'aborder la parole, c'est de la lire à haute voix. Tu dois faire comme les juifs. Faire comme la coutume et même faire comme l'apôtre Paul a instruit à son fils Timothée, tu dois apprendre à lire la parole. Et c'est bien d'avoir aussi la Bible audio. Tu mets des écouteurs au lieu d'écouter telle musique, au lieu d'écouter telle émission sur Vox Africa, sur Africa 24, sur France 24, ce n'est pas mauvais. Mais mets des écouteurs, écoute la parole. Que la parole entre en toi. La Bible déclare dans Deutéronome 6 et 7, on dit que la parole, vous devez la voir partout. Vous devez même le mettre sur les linteaux de vos maisons, sur vos murs, sur les poteaux de vos maisons. Certains avaient ce qu'on appelait les phylactères, je pense. On prenait les portions de la loi, on mettait ça sur le front, on mettait ça au bord des vêtements. Tu dois être saturé de la parole. Tu dois lire la parole à haute voix. En ce temps de confinement, prends un texte de la parole et lis la parole à haute voix. Appelle tes enfants et lis une portion des Écritures. Lorsque vous êtes à table, prenez la parole et lisez la parole.
C'est très important parce que votre manière d'exposer la parole détermine combien vos enfants vont s'y retenir la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire kara ici? Lorsqu'on dit kara, c'est très important parce que lorsque tu kara, tu permets à la parole de saturer l'atmosphère. Lorsque tu kara, tu permets à la parole. Est-ce que tu sais que ta chambre est une entité vivante? Est-ce que tu sais que ta maison est une entité vivante? Tu dois apprendre à kara la parole. Tu es dans ta chambre, tu proclames la parole. Tu es au salon, tu proclames la parole. Tu dois apprendre à publier les hauts faits de Dieu qui sont dans les Écritures. Tu dois lire la parole. Tu es au bureau, tu te mets ensemble avec tous ceux qui sont avec toi et tu lis une portion de la parole. C'est très important. Moi, j'ai grandi dans un contexte méthodiste. Et on avait l'habitude de lire à haute voix la parole. On va lire une portion de la parole. On va chanter une portion de la parole. Ainsi, je lance au défi tous nos frères et sœurs chantres du gospel francophone. À part le fait de toujours interpréter les cantiques de Darlene, les cantiques de Jesus Culture, les cantiques de Exo Éclat, vous devez avoir la capacité, les cantiques de William McDowell ou bien de qui d'autre encore? De Juanita Bynum ou de Don Moon, de Rock and Oli, vous devez avoir la capacité de chanter la parole, hein, de chanter les Écritures. Même si ce n'est pas de A à Z comme cela est écrit, mais avoir la capacité de faire comme font les branhamistes. J'aime beaucoup les branhamistes pour ça. Vous allez les voir, des cantiques inspirés parce qu'ils chantent la parole, ils interprètent la parole. Alors que vous les chrétiens, depuis que tu as commencé la chanson, Oli, depuis que tu es avec Oli, du début à la fin, apprenez à chanter la parole. Apprenez à fixer aux automatismes de vos enfants des portions de la Bible, des portions de l'Écriture. À une époque de ma croissance, notre maman nous avait imposé de lire « L'Éternel est mon berger ». Si elle me suit en direct, elle peut se rappeler. « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. On se disait « Ah, c'était fatigant ». Et aujourd'hui, j'ai retenu cela pour la simple et une raison que ma mère me poussait à lire cela. Mes frères et sœurs, c'est très important de lire la parole, de proclamer la parole, d'annoncer la parole, de dire tout haut la parole. À partir de ce confinement, je veux que tu caras, que tu entres dans la dimension où tu satures l'atmosphère de ta voiture avec la parole de Dieu, où tu satures l'atmosphère même de votre chambre à coucher avec la parole de Dieu. Au lieu d'avoir des vaines paroles, des vains discours, de toujours écouter radio RFI, d'écouter ceci ou cela, tu dois apprendre à lire la parole. On dit d'un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, on l'appelle l'apôtre de la foi. Un anglais que Dieu a utilisé pour opérer des miracles de manière extraordinaire. Plus de 20 morts ressuscités dans son ministère. Il a inspiré des hommes comme Lester Sumrall, et tant d'autres serviteurs de Dieu. On dit, Smith Wigglesworth ne lisait aucun journal. Tout ce qui emmenait des nouvelles du monde dans sa maison, il bloquait cela. Il lisait que la parole. Et c'est le livre qu'il a lu et retenu derrière la plupart des portions dans sa tête. Et c'était sa femme qui l'avait enseigné à pouvoir méditer la parole, lire la parole. Et comme c'était un illettré, c'est le seul livre qu'il a lu toute sa vie. Et parce que la parole était abondamment en lui. Sa vie a totalement été une vie de miracle, une vie de prodige, une vie de miracle. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Le deuxième mot ici en hébreu, c'est le mot aga. Est-ce qu'on peut dire aga? Est-ce qu'on peut encore dire aga ici? Aga. La deuxième manière d'approcher la parole, c'est de faire ce qu'on appelle aga. Aga, c'est la deuxième dimension. Aga se trouve dans ce verset. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel ici? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand on prêche le mariage, c'est là qu'il est excité, là qu'il est attentif. Quand on prêche voyage, il est content. Quand on prêche parole, il trouve que ça c'est boring. Frère, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi. Est-ce que quelqu'un trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ici? Amen. Jérémie a dit, j'ai dévoré tes paroles, elles ont fait l'allégresse de mon âme. Et Dieu a tant aimé David parce qu'il était l'homme selon son cœur, parce que David aimait la parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Dieu aime ceux qui aiment sa parole. Amen. Dieu aime ceux qui sont passionnés lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui sont attentifs lorsqu'on entend la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui sont excités. On peut le voir dans leurs yeux. Qui sont contents lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Et on dit qu'il fait quoi? Et qu'il la médite, qu'il aga jour et nuit. Psaume 63, verset 6. Psaume 63, 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite, aga, sur toi,
pendant l'éveil de la nuit. Toute la nuit, tu n'as pensé qu'à ta promise, tu n'as pensé qu'à ta chérie, tu n'as pensé qu'à tes dettes, tu n'as pensé qu'à coronavirus, oh Dieu, au loyer. David dit, dans l'éveil de la nuit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pense à la parole. Je fais quoi? Je pense à la parole. Je fais quoi? Je pense à la parole. Je médite. C'est le mot aga. Et aga, aga c'est méditer. Aga c'est, et je voudrais t'emmener à comprendre méditer ici. Aga c'est méditer. Méditer. Aga. Tape avec moi aga, aga, aga. Aga c'est méditer. Glory. Aga c'est méditer. Méditer. Aga, aga. Dites avec moi aga. Aga. Alors, aga c'est méditer. Ok? Méditer déjà en français veut dire un murmure ou un discours doux dans une contemplation continue de quelque chose. Ça c'est en hébreu. Ok? Là j'explique en français. Aga veut dire un murmure ou un discours doux dans une contemplation continue de quelque chose. Quelqu'un m'entend? C'est un murmure ou un discours doux dans une contemplation continue de quelque chose. Donc, c'est un murmure doux. Ou bien une contemplation. Hein, ou bien un discours. Mais doux. Hein. On sent de la douceur. On sent qu'on y a mis du sien. On est vraiment dans ça. Et une contemplation continue de quelque chose. Ok? Méditer. Aga veut dire gémir en hébreu, grogner, prononcer, méditer, grommeler, méditer, tramer, comploter, parler. Ok? Ça veut dire aussi rugir dans d'autres contextes, ou bien pousser des cris, ou bien grommeler. Ok? Mais je prends juste le verbe ruminer. Parce que c'est le verbe qui traduit le mieux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On a dit de tes pensées? Non, de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ok? C'est le mot aga. Et aga veut dire ruminer. Et ruminer, c'est tout simplement tourner quelque chose dans son esprit. Ok? Ça, c'est en français. Et ruminer, pour les herbivores, c'est ramener les aliments de l'estomac dans la bouche pour les mâcher. On voit avec les vaches, n'est-ce pas? Qui ruminent les herbes. Ils ont des poches comme ça dans leur organisme où ils cachent de la nourriture. Ils ont mangé, ils ont brouté de l'herbe, mais ils stockent de la nourriture. Ok? Et à un moment, tu seras là, tu regardes ta chèvre et tu la vois en train de mâcher à nouveau. Tu dis, mais elle a brouté, elle a brouté de l'herbe où et à quel moment? Elle a juste remis en surface ce qu'elle avait stocké. Remis en surface ce qu'elle avait stocké, non pas dans ses pensées, mais dans sa bouche. Ok? Dans sa gueule. Et l'herbivore commence à ruminer. Les ruminants sont des animaux herbivores qui sont capables de régurgiter de la nourriture afin de la mastiquer, autrement dit, de pratiquer la rumination. Et quand on dit aga, c'est ça? Aga veut dire méditer, veut dire ruminer, veut dire après avoir kara, après avoir lu la parole, après avoir déclaré la parole, après avoir entendu la parole de ta propre bouche, après avoir lu, parce que la lecture, c'est juste la lecture. Quand on dit lecture, c'est pas je commence à lire la Bible, je m'arrête à chaque coin de chaque texte ambigu pour essayer de comprendre. Non, la lecture, c'est la lecture. Quand on dit kara, c'est juste lire, n'est-ce pas? Kara, c'est juste, je prends un texte, je lis du premier verset au dernier verset. Quelqu'un m'entend? Mais quand on dit maintenant méditer, c'est différent. Méditer, c'est pas toujours lire. On peut lire dans la méditation. Ou comme on ne peut pas lire dans la méditation. Dans la méditation, je peux être là, je lis la parole, je kara, et puis je m'arrête pour réfléchir sur le texte, pour ruminer le texte, pour remonter le texte dans mon esprit, pour réfléchir sur le texte. On ne me dit pas ici de commencer à passer
toute une journée sur ça. Non, on me dit juste de réfléchir, de ruminer sur le texte. Ou même, quand je ne lis pas, je peux être assis et méditer. C'est-à-dire, je vais au plus profond de mon esprit, les brassia d'Abassate, je pense à la parole de Dieu, un texte que j'ai lu, je médite sur cela, je rumine cela. Et la méditation ne veut pas dire réfléchir seulement. La méditation veut dire parler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. La méditation, c'est avec la bouche. Une personne qui est capable de se soucier est capable de méditer. Parce que se soucier, c'est méditer sur la mauvaise chose. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Se soucier ou s'inquiéter, c'est méditer. Mais en ayant mis le curseur sur une mauvaise chose. N'est-ce pas, Christian? C'est se soucier. C'est une mauvaise chose. Oui, c'est à toi que je m'adresse. C'est la mauvaise chose. Parce que tu es là, tu es en train de réfléchir. Oh, ma vie, je pense. Et tu regardes tous les contours de la situation et tu as des maux de tête. Tu as médité. Mais c'est la mauvaise chose. Okay. Mais maintenant, lorsqu'on dit aga, aga, c'est maintenant être connecté. Être connecté à la pensée de la parole. Lorsque tu kara, tu ne fais que lire. Mais maintenant, lorsque tu aga, tu te connectes maintenant à la pensée. Tu essaies de comprendre de quoi il s'agit. Quand tu caras, tu lis, tu proclames, tu ne t'arrêtes pas. Mais lorsque tu agas, tu réfléchis, tu penses à ce texte, tu essaies de comprendre, tu mets du tien, tu ne parles pas seulement, tu ne lis pas seulement, mais tu médites, tu ramènes à la surface, tu sors cela de ta bouche, tu partages avec quelqu'un, vous échangez sur ça, vous méditez. Quelqu'un m'entend? Vous méditez, vous ramenez, vous écoutez la parole que le prophète a prêchée, qu'un pasteur a prêchée. Vous rentrez à la maison, vous méditez sur cela, vous réfléchissez sur cela, vous ramenez cela en surface, vous lisez encore le texte. Je n'ai pas bien compris le texte, je vais encore voir ce qui est écrit, je vais lire, je vais aga. Et ma prière ce matin est que Dieu te donne la capacité de aga. Amen. Que tu sois un tel passionné de la parole que même au beau milieu de la nuit que tu t'arrêtes et que tu penses à Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc Dieu, avec Dieu au commencement. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et quand tu médites sur la parole, tu médites sur Dieu. Frère, sois saturé de la parole de Dieu dans tes pensées. Que tout ce qui est louable soit l'objet de vos pensées. Paul a dit Paul a dit aux Colossiens, je crois que c'est Colossiens 3, verset 6, il dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Frère, il faut que la parole habite en toi abondamment. Médite sur les textes, médite sur les textes, médite sur les textes. Aime la parole, aime la parole, aime, lis la parole, médite la parole, médite la parole. Sors-la au niveau de ta bouche. Parle encore de la parole. Répète ce qu'on a prêché. Dis encore ce qu'on a prêché. La seule manière de retenir une chose, c'est de la répéter plusieurs fois. Et non d'y penser simplement. Donc quand je finis de prêcher, j'ai prêché dimanche, j'ai prêché mardi, vendredi et dimanche. Si tu es connecté à cet autel, connecté à mon onction, tu dois être une personne qui sait méditer sur ce qu'on a prêché. Ne passe pas d'un message à un autre. Quand tu rentres à la maison, rumine cela, pense à cela, de peur de gaspiller la parole que tu reçois. En voulant une et une autre après et une autre ensuite, tu dois avoir le temps de te poser et de méditer, de ruminer, de agar la parole de Dieu. Celui qui est capable de se soucier est capable de méditer. Parce que la méditation, c'est se concentrer sur la parole et le fait de se soucier, c'est se concentrer sur les problèmes, sur les inquiétudes de la vie. Ma prière à partir d'aujourd'hui est que ta plus grande inquiétude soit de connaître la parole. Ta plus grande inquiétude soit de maîtriser la parole, soit de méditer, de réfléchir sur le texte. Tu dois méditer sur cela. Et la troisième dimension, c'est quel mot? Darash. Il faut apprendre de l'hébreu, mes fils. Darash. Des fois, tu pries en langue comme ça. Rabashakaraba. Darash. On dirait un mot en langue. Dis avec moi, Darash. Dis avec onction, Darash. Darash. Kara, c'est lire. Sans être obligé de s'arrêter ou de réfléchir. C'est juste lire. Aga, c'est s'arrêter, réfléchir. Lorsqu'on lit ou après avoir lu. Quelqu'un est avec moi? On rumine cela. On remonte cela en surface. Trois, ce qui est plus intéressant,
c'est d'Arras. Aïe, 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 aïe. Ce qui a fait ma force toutes ces années dans le ministère, au niveau de la parole, par la grâce de Dieu, je suis dans la plupart des conférences, des grandes conférences du continent africain. OK? Et Dieu nous a permis d'avoir une grande plateforme aujourd'hui. Je me glorifie dans le Seigneur. C'est parce que je t'arrache. Ma prière, c'est que tu puisses d'arracher aussi. D'arrachons nous vivons. Que tu puisses d'arracher. C'est le moment le plus... C'est le moment dans lequel je me sens le plus à l'aise. 1 Pierre 1, verset 10 et 11 dit, « Les prophètes qui ont prophétisé sur ces temps de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Tu te rappelles de ce verset, hein? Ils ont fait de leur prophétie l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ils prophétisaient, après avoir prophétisé, la bouche a parlé, maintenant la tête devait réfléchir. Ils devaient consulter d'autres livres. Ils devaient faire des recherches. Parce qu'elle me déclare, car ils voulaient sonder les temps dans lesquels ces choses allaient, durant lesquels ces choses allaient se réaliser. Quelqu'un m'entend? Ils étaient des chercheurs, des investigateurs, parce qu'ils voulaient comprendre les temps et les saisons. C'est ce qui fait même la force et le soubassement de notre ministère. Parce que j'ai compris que le ministère prophétique, c'est au-delà de dire les noms, les adresses des gens. Le ministère prophétique est identifié par un message que l'on a. Et quand on vient à l'église, on vient au milieu d'un peuple très diversifié culturellement, très diversifié professionnellement. Mon fils, il est dans la conception des projets. Il a fini en droit. Ok. Mon fils, ici, il est dans politologue. Ok. Lui aussi, il est politologue. Il était candidat député. J'ai même prophétisé pour lui ici. Ok. Et ils sont dans différents milieux. Lui, il est dans le droit, conception des projets. Il a sa société. Lui, il est dans la politique. Politologue aussi, mon fils. Tu as vraiment le visage d'un politicien. Avance, mon fils. On se prépare pour prendre possession de... du monde politique de notre pays. Dites avance, prophète, bien que je vous entende. Voilà. Et quand on dit ces choses, c'est parce que je ne peux pas uniquement prêcher la parole, pour la parole, non. Le message que je prêche, un politologue peut se retrouver. Un homme de la conception des projets peut se retrouver. Un homme du monde du droit et de ce qui est juridique doit se retrouver. Ok. Un homme qui veut travailler dans la réforme du système éducatif doit se retrouver. Lorsque Dieu vous donne un message, vous devez meubler le message. Et c'est là maintenant qu'on fait des recherches. Dieu peut te dire prêche sur l'Afrique. Mes frères, mes prédications, je les prépare comme si c'était des thèses. Des thèses. Je les prépare seul. J'appelle même d'autres de mes fils. Fais-moi des recherches dans tel domaine. Dans tel domaine. Je les dérange tous ici. Trouve-moi telle information, parce que le message que je prêche est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu doit être contextualisée. Et lorsque quelqu'un suit un message, même ce soir, vous allez écouter le message sur l'Afrique, tout le monde peut se retrouver, même les musulmans me suivent, même les athées suivent, parce qu'ils se disent, tiens, écoute un peu ce discours. La parole de Dieu est là, mais il y a un peu de tout pour que tout le monde puisse se retrouver, parce que la parole de Dieu traite tous les sujets de la vie. Alors, le domaine de Darash, c'est le domaine où tu deviens investigateur. C'est le domaine où tu deviens chercheur. C'est le domaine où tu deviens quelqu'un qui a la capacité d'aller sonder. Tu dois être un prédicateur différent. Tu dois être un homme de Dieu différent. Tu dois être un serviteur de Dieu différent. Tu dois emmener ton peuple à un niveau de connaissance et de maturité, tel même qu'en rentrant à la maison, lorsque le mari ne veut pas venir à l'église, la femme fait le rapport du message. Le mari se dit, est-ce que c'est un pasteur qui a vraiment prêché ce message? Combien de gens on n'a pas reçu ici qui sont venus uniquement parce que certains jeunes de l'église, ok, pour le contexte des jeunes, certains jeunes de l'église sont rentrés à la maison. Papa regardait les notes, il dit, mais c'est un pasteur ou bien c'est un homme politique. Et papa dit, tiens, je suis intéressé. Il suit le direct, il suit à la télé et un bonjour, il vient. Parce qu'on a décidé d'élever le standard, non seulement dans la révélation de la parole, mais aussi dans l'actualisation de la parole pour toucher le maximum de sphères afin que tout le monde sache que la parole de Dieu concerne aussi son domaine.
La parole de Dieu n'est pas pour les pauvres. Non. La parole de Dieu est la plus grande richesse qui existe. Qui amène un pauvre à découvrir qu'il a toujours été riche. Mais que la pauvreté était au niveau de ses pensées. Dites avec moi, investigateur. Chercheur. Pour sonder. Dites avec moi, pour sonder. Oui, il faut sonder. C'est aller en profondeur, c'est creuser. Lorsqu'on parle ici de Darache, maintenant je vais commencer à vous expliquer des choses ici. Oh mon Dieu, mon roi, ce temps de confinement doit t'emmener à une nouvelle dimension. Je vois des gens dire, prophète, impacte-moi dans le prophétique. Prophète, c'est quoi le secret? Papa, je te donne le secret, c'est ça. Pendant que toi, tu vas courir pour chercher la prière, chercher la révélation, nous, on passe le temps à Daracher. Ah, Darache. Esdras 7, verset 10, il est écrit, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. » Numéro 1, il étudiait. Numéro 2, il pratiquait. Numéro 3, il enseignait, c'est clair. Parce qu'il ne faut pas passer son temps à étudier. Il faut aussi appliquer et il faut aussi enseigner. Ne pas enseigner que celui qui a appliqué et ne pas appliquer que celui qui a connu. Alors tu dois d'abord étudier, dites avec moi étudier. Alors c'est important d'étudier. Darache veut dire faire l'étude de la parole. L'étude biblique, c'est là, à part la Bible que tu as, la version que tu as, tu consultes d'autres versions. C'est là que tu as un dictionnaire biblique, commentaire biblique. J'ai même vu quelqu'un dire, oh, ça c'est une anecdote, hein. J'en parle souvent. Un frère qui est venu là dit non. Et puis il déclare qu'il faut rien rajouter, rien retrancher de la parole. Mais aujourd'hui, mes frères, les blancs ont rajouté la parole. Ils ont rajouté abomination. Et juste après ça, il dit, ils ont rajouté le livre de glossaire. Ils ont rajouté le dictionnaire biblique. Ils ont rajouté l'index. Ils ont rajouté la concordance, la table des matières. Frère, il faut rien rajouter. Et rien retranché. Ouais. Et pourtant, les commentateurs de la Bible et tout ce qu'ils ont mis sont juste pour vous aider à mieux étudier la parole. Il y a Bible d'études second, Bible d'études Thompson. Il y a plusieurs Bibles d'études. Tu dois avoir ces choses en abondance. Tu dois avoir des concordances. Tu dois avoir des dictionnaires. Tu dois avoir même des applications pour Strong. C'est Strong qui t'emmène maintenant de l'étymologie des mots, tout ce que j'ai dit là, c'est Strong. Tu dois aller en profondeur. Si tu peux étudier l'hébreu, tu étudies l'hébreu. Tu deviens vétérotestamentaire. Tu étudies le grec, tu deviens néo-testamentaire. Mais tu entres et tu étudies la parole de Dieu. Ésaïe 29, 11. On a vu ça, n'est-ce pas? Que la révélation, c'est comme un livre qui est cacheté. Ok, il y a un sceau dessus. Tu ne peux l'ouvrir. Parce que tu n'en connais pas le contenu. La révélation, c'est ça. Tu peux avoir cette Bible, mais tu n'as pas la révélation. David a dit, la révélation de ta parole est claire. Il n'a pas dit ta parole. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Ma prière ce matin, que Dieu t'accorde, lorsque tu kara, lorsque tu aga, que tu aies la révélation. Que ton kara t'amène à la révélation. Que ton aga t'amène à la révélation. Que tu entres, écoutez-moi, c'est le darache qui t'amène à la révélation. C'est lorsque tu creuses la parole que tu entres maintenant avec la révélation. Quelqu'un peut dire darache? Alors darache veut dire chercher, s'enquérir, exiger, fréquenter, consulter, rechercher. Amen. Dans Deutéronome 4, verset 29, il est écrit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. C'est le mot darache. Quand on parle de chercher l'Éternel, c'est aussi darache. C'est vraiment aller en profondeur, fouiller, chercher. Partout où tu es, tu le cherches. Investiguer. Ok? Fouiller. C'est un peu comme tu joues à la Indiana Jones. Ok? Tu joues à la Commandant Cousteau. Quelqu'un m'entend? Tu vas regarder, tu vas en profondeur. C'est vrai que les gens voient la surface. Mais toi, tu vas en profondeur. David dit, l'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu deux fois ceci. La force est l'Éternel. Dieu a parlé une fois. Mais David a entendu deux fois. Lire, on peut lire une fois. Mais derrière ce que tu as lu, il y a autre chose qui est écrit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, darache, c'est aller en connexion, être en connexion avec l'esprit de l'auteur pendant qu'il écrivait le texte.
Darash, c'est juste pas Kara, c'est juste pas Aga, mais c'est aller à décoder, à déchiffrer, à comprendre le nom dit dans ce texte, parce que dans ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu voulait dire. Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. En grec, c'est stomach. Ok, stomach. L'homme ne vit pas que de ce qu'il lit. Ok, il doit vivre aussi de ce qui sort de l'estomac. Écoutez-moi, tu peux lire ce que Dieu dit de sa bouche, mais tu n'as pas compris ce qui sort de son estomac. La différence entre les prédicateurs, c'est que certains commentent la Bible, mais d'autres entrent dans l'estomac de Dieu. Aïe. La différence dans cette génération, écoutez, il y a une différence entre un prédicateur et une voix de Dieu. Un prédicateur peut avoir maîtrisé l'homélitique, l'art de parler en public, de la parole, l'herméneutique, les techniques d'interprétation de la parole, mais ne jamais apporter la voix de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas un prophète, il était la voix qui crie dans le désert. Quelqu'un m'entend ? Dieu suscite des voix dans cette génération, mais il faut des hommes et des femmes qui ont la capacité d'aller au-delà de ce qui sort de la bouche de Dieu pour aller comprendre ce qu'il y avait dans l'estomac de Dieu. Dieu peut, un parent peut dire une chose de sa bouche, mais seuls les enfants qui connaissent papa savent ce qu'il y a dans le cœur de papa. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ma prière ce matin est que tu puisses d'arrache. Amen. À partir d'aujourd'hui, que tu sois quelqu'un qui va au-delà de Kara, Amen. Au-delà de Aga, Amen. Mais tu sois quelqu'un qui sait d'arracher, Amen. Qui sait entrer, qui sait être en contact avec le Réma codifié dans le Logos. Amen. Le doigt est sorti de nulle part et a écrit en face du chandelier. À l'époque de Daniel, personne ne savait interpréter ce qui était écrit jusqu'à ce que Daniel vienne, celui qui avait des lumières. Que Dieu te donne des lumières. Amen. Là où personne ne comprend ce texte, dans Chroniques, hein, des fois les Chroniques là ça fatigue, hein, les généalogies, tout ça. Dans Matthieu 1, quels sont les textes qui compliquent le plus les gens ici? Chroniques, Nombre, Apocalypse. Quoi d'autre? Lévitique, ça c'est, ça donne des maux de tête. Ça. On te parle des caleçons, des sacrificateurs, on veut des caleçons, tout ça. Mais il faut que tu vas au-delà. On parle de la pureté sexuelle. Ouais. Quand on dit que pour que Jézabel tombe, il a fallu l'intervention des eunuques. Pour dire quoi? Quand tu lis, juste pour lire, tu as fait Kara. Tu as lu, tu ne comprends pas. Quand tu médites dessus, tu penses aux eunuques à l'époque. Mais quand tu d'arraches, tu comprends que l'esprit de Jézabel dans ce temps de la fin va tomber par des personnes qui sont eunuques. Et les eunuques, vous savez, ils étaient privés de la capacité de se procréer. Quelqu'un me comprend? Alors dis avance, prophète. On te dit par exemple que les sacrificateurs ne devaient pas avoir quelqu'un qui devait avoir un nez camus. Ok? Qui était incapable de bien respirer. Toi, tu lis, tu kara et puis tu aga. Tu as mais tu ne déranges pas. Amen. Tu vas te dire, ah, comment un homme il a un nez camus comme ça, pourquoi il ne veut pas être là Dieu aussi vraiment? La sacrificature est attachée à ça. Mais quand tu déranges, tu comprends que le nez c'est la sensibilité. Le nez c'est le discernement. Quand on dit qu'il ne fallait pas des hommes qui avaient les testicules écrasés, tu vas te dire, ça c'est quoi encore? Dieu voulait seulement dire qu'il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit un homme qui a l'incapacité de se reproduire. Tout homme de Dieu doit avoir la capacité d'avoir des testicules en bon point. Dites amen. Amen. Là maintenant c'est d'arrache. Là c'est au-delà de Kara. Là maintenant on va comprendre qu'il n'est pas bon d'être homme de Dieu et de ne pas avoir de fils. Parce que ce que j'ai été donné, ok, donne-le aussi à d'autres qui vont se confier à d'autres. Quatre générations. Moi, je t'ai donné à toi, toi tu as donné, et que cela aussi puisse donner aux autres. Quatre générations. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Quatre générations. Mes frères et sœurs, le temps de d'arracher est arrivé. Amen. Alléluia, alléluia. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Psaume 119, l'hymne à la parole. L'hymne à la parole. Écoutez-moi, ce matin, on est autour de la parole, n'est-ce pas? Amen. Tu es chez toi en confinement, tu es autour de la parole.
aime la parole, sois passionné de la parole. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Hein? Je te d'arrache. Parce que je peux être loin de ta parole. Oh mon Dieu. Psaume 1 Timothée 2, verset 15. Mon fils, tu peux lire pour nous. 1 Timothée 2, 15. Timothée 2,15, je lis au nom de Jésus. Elle sera néanmoins sauvée. Sorry, 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je vais vous lire en anglais. Study to show thyself approved by unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Quelqu'un m'entend? Alors, je vais vous traduire cela en français. On dit ceci. On dit « study to show thyself ». Ok? En français, c'est « étudier ». Je vais sur le plan littéral. En d'autres termes, « étudie pour te montrer approuvé par Dieu un ouvrier qui n'a point besoin d'avoir honte, mais qui dispense correctement de la parole de la vérité. » Notre version dit « sois diligent pour te présenter approuvé à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, manipulant avec précision la parole de vérité. Dividing the word of truth. Quelqu'un est avec moi? Manipulant avec précision. Oh my God. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut être diligent dans la parole. Il faut étudier. Dis avec moi, étudier. Alors, d'arrache maintenant, c'est étudier. Pour amener la parole à une dimension de précision. Écoutez-moi, dans la francophonie, dans le monde anglophone, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais toi-même maintenant, en temps de confinement, tu peux savoir, là, on commande seulement la parole. Ok? Amen. Et là, on a d'arrache. Parce que quand on d'arrache, on étudie. On va au-delà de ce qui est écrit. On comprend le contexte, on comprend l'époque, on comprend les acteurs principaux, on comprend les mots-clés, ok? On fait des références avec plusieurs autres textes parce qu'il faut tenir compte du principe de deux ou trois témoins. On regarde le contexte, on ne sort pas on ne sort pas le texte de son contexte pour en faire un prétexte. On garde le contexte, on évalue tous les alentours de ce texte pour avoir une connaissance plus profonde de ce que les autres présente aujourd'hui. Présente-toi devant Dieu comme un homme qui a étudié. Est-ce que tu étudies la parole? Non. Prophète, prophétise d'abord. Prophète, impose-moi les mains. Non. Ce qui fait la force de cette église et de ce ministère, tous ceux qui sont ici le savent. Parce que nous n'aimons pas la parole superficielle. Nous n'aimons pas une parole qui n'est composée que de lait. Mais nous comprenons qu'il y a un moment où il faut boire du lait, mais il y a aussi un moment où il faut manger la nourriture solide. Et j'aimerais te défier aujourd'hui. Ceux qui vont survivre dans des pays islamiques, ceux qui vont survivre, même lorsque ce livre ne sera pas là, sont ceux qui auront fait des dépôts, ceux qui auront emmagasiné la parole en eux. Ils auront la capacité, même sans avoir la parole, de proclamer la parole, d'annoncer la parole. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, ce film qu'on appelle le livre d'Elie, de Denzel Washington. Quand tu lis, quand tu vois le film jusqu'à la fin, le livre d'Elie, on parle de la Bible, traduite à la fin, King James Version, la version du roi Jacques. C'est une fiction, un film. Je vous le recommande vivement. Allez même sur Netflix, vous allez le trouver, le livre d'Elie. C'est à la fin qu'on comprend au fait qu'il était un aveugle. Mais durant 30 ans, il a gardé le livre l'a protégé. Et lorsqu'il est allé sur cette île,
on l'a accueilli, le livre, ce papier, n'était plus là, parce qu'un homme l'avait arraché. Mais il s'est allongé et il a commencé, Genèse 1, verset 1. Au commencement était la parole, elle était avec, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il commence à citer et il allait jusqu'à Apocalypse et il est mort. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, en tant qu'aveugle, il avait lu la Bible. Il avait retenu la parole. Et ce n'est pas ça qui le limitait. Écoutez-moi, tout se trouve dans les films aujourd'hui. Hein? Et ces choses vont arriver. Bientôt, on va brûler des Bibles. Bientôt, tu arriveras dans certains pays. On va interdire formellement la Bible. On va éradiquer cela de nos Apple Store, Google Play Store. Mais ceux qui vont survivre sont ceux qui peuvent commencer à te dire Genèse, Jean 1, verset 1, jusqu'au verset 20. Parce qu'ils ont retenu la parole. Ils ont tellement étudié que la parole et eux ne font plus qu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Dans Actes 18, il est écrit, verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26. Il se mit à parler librement de la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Oh my God! On parle d'Apollos, qui était éloquent, qui parlait bien. Il connaissait la parole avec exactitude, n'est-ce pas? Même Paul est arrivé au niveau de dire qui est Apollos, qui est Silas, qui est Paul, n'est-ce pas? Il arrivait même au niveau de se comparer avec Apollos, même une fois. Il voulait recommander Apollos, Apollos a refusé. Apollos c'était un dur, c'était pas n'importe qui. Il était versé dans les Écritures, éloquent, convaincant. Il enseignait avec exactitude la parole, jusqu'à ce que Aquilas et Priscille sont venus. Ils ont dit, ah! Apollos, viens, jeune homme. Ce que tu dis est exact. Mais maintenant, nous allons t'enseigner à connaître avec plus d'exactitude ce que tu es en train d'enseigner. Frère, il y a précision et imprécision. Amen. Il y a exactitude et plus d'exactitude. Amen. Il y a dimension et dimension. Amen. N'accepte pas d'être un chrétien qui se limite à Kara ou qui avance vers Aga. Sois un chrétien qui va au niveau de Darash. Quelqu'un qui peut étudier la Bible, sonder la Bible, se connecter à l'esprit de la Bible. Le bishop Oedipo a dit, ne lis jamais un texte sans que l'esprit de ce texte ne puisse entrer en toi. Il faut que tu lises un texte au point où l'esprit de ce texte-là, l'esprit de ce texte sort et entre en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Fils de là? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. C'est très important ce que je dis, mes frères et sœurs. C'est très important. Tant que tu n'as pas la capacité d'aller en profondeur pour plus d'exactitude, tu passes à côté de beaucoup de choses dans ton ministère. Tu vas lire la parole comme tout le monde, manger la parole comme tout le monde, mais tu rateras, tu passeras totalement à côté de ce que Dieu est en train de vouloir dire dans ce texte. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Je vais terminer avec ce texte et nous allons prier ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'ancien des jours. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Lisez avec moi psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130, yes. Je lis au nom de Jésus. Mmh. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Répète.
La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la version anglaise, même en Darby, dans la version originale, qu'est-ce qu'on dit? On dit, car tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Yes. Car tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Je répète, car tu as élevé, je te célèbre pour ta fidélité, parce que tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de... Mais ton nom a été élevé à cause de combien tu accomplis. Ok. Mais étymologiquement, en hébreu, on dit parce que tu as pris ta parole, tu l'as élevé au-dessus de ton nom. Qui est au-dessus de Dieu? Personne. Dans Ecclésias, on dit dans une ville, quand il y a un grand, il y a un autre grand au-dessus de lui. Et au-dessus de ce grand, il y a un autre au-dessus de lui. Mais au-dessus de Dieu, il n'y a pas une autre autorité. L'autorité suprême, c'est qui? C'est lui-même. Mais Dieu a décidé délibérément de se soumettre à une seule entité, sa parole. Amen. Dieu n'est soumis qu'à sa parole. Donc la parole de Dieu est élevée au-dessus du nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le ministère, par exemple, de miracles et de puissance, est codifié par une chose. Beaucoup de gens ne savent pas. Les gens pensent que les hommes qui font des miracles le font juste parce qu'ils ont la foi. Non. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Frères et sœurs, si tu veux voir de l'impact, voir des résultats dans ta vie de prière, tu dois mettre la parole en toi, Christ sera en toi et tout ce que tu vas demander te sera accordé. Dans 1 Jean, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, il nous a déjà donné la chose, quelle qu'elle soit. Quelqu'un m'entend? Parce que nous demandons en accord avec sa parole. Il y a un moment où tu ne vas pas avoir la Bible. Un moment où tu n'auras ni la Bible numérique, ni cette Bible. Mais quand tu as lu, tu as étudié, tu as médité, tu as rempli ta vie de la parole. Tu arriveras à un moment où tu n'as pas de Bible pour réciter un verset. Mais le verset remonte. Et le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit vous rappellera quoi? C'est ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne te rappelle que ce que tu as déjà en toi. Il ne peut pas te donner un verset que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit ne va utiliser que ce que tu as en toi parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, je t'emmène ce matin dans ces trois dimensions. Kara, c'est lire. Lire à haute voix. Tu ne t'arrêtes pas. Tu prends un texte, tu lis. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu lis à haute voix et tu prends plaisir à lire cela. Aga, c'est lire, mais aller en profondeur. Ou bien même ne pas lire, mais ruminer, réfléchir, méditer, chercher à se connecter à la pensée mère, à la pensée originale du texte. Méditer, ruminer, en parler, déclarer cela. Mais Darash, c'est là où arrivent ceux qu'on appelle des maîtres. Une personne qui ne fait que lire la Bible ne sera jamais un maître. Une personne qui médite ne le sera pas non plus. Mais ce sont ceux qui d'arrachent qui deviennent des maîtres. Ils ont la maîtrise du sujet. Et je m'étais battu toutes ces années pour avoir une vue panoramique sur la doctrine chrétienne. Ainsi, je suis à l'aise quand j'enseigne l'eschatologie. Je suis à l'aise quand j'enseigne sur le mariage. Je suis à l'aise quand j'enseigne sur l'onction. Je suis à l'aise quand j'enseigne sur le Saint-Esprit. Quel sujet encore? Je suis à l'aise quand on parle de la puissance. Je suis à l'aise qu'on doit parler de finances. Parce que j'ai décidé d'étudier. Et puis de 20 ans, j'ai fait de ce livre le socle de ma vie, de ma foi. Et ce livre, loin d'être un instrument de travail,
est d'abord une nourriture pour nos âmes. Ne tombons pas dans le piège de lire le livre juste parce qu'on doit prêcher ou préparer un bon sermon, un sermon. Nous devons lire la Bible parce qu'elle est d'abord la nourriture de nos âmes. Elle nourrit ma foi, elle nourrit ma vie chrétienne, elle nourrit ma vie. Je suis nourri par la parole de Dieu. Et ma prière ce matin est que tu aies la capacité de faire un avec la Bible. Alors, écoute mes recommandations. Je n'ai pas dit retire ta Bible de tes téléphones, de tes tablettes. Je n'ai pas dit ça, ou bien même de ton écran. Je n'ai pas dit ça. Mais tout ce que je dis, tu dois avoir ce livre. Si tu peux, offre-le à plusieurs personnes. Si tu peux, connecte-toi à des sites, à des réseaux, des missionnaires qui travaillent pour faire parvenir à plusieurs des Bibles. Commence à la maison, commence dans la famille, commence autour de toi avec tes amis. Achète à quelqu'un une Bible. Offre à quelqu'un une Bible. Suis la personne pour voir si elle lit la Bible, elle apprend la Bible, elle comprend la Bible. C'est très important. Et étudie la Bible. Médite la Bible. Inclus la parole de Dieu en toi. Fais un avec cette parole. Et Dieu prendra plaisir à tes voix. Il s'appelait David, il n'était pas parfait. Il n'était pas un homme parfait. Mais Dieu l'a appelé un homme selon mon cœur. Le plus long chapitre de la Bible, c'est l'hymne à la parole de Dieu, le psaume 119. Et chaque portion du psaume 119 est une section de 8 versets. 8 versets portant à l'introduction une lettre de l'alphabet hébraïque. Et on a 22 comme ça, 22 sections. 22 fois 8, ça fait combien? Anyway, ok, 8 versets, 22 sections. Et tout ce qu'il dit là, juste la parole. Il appelle ça précepte, ordonnance, loi, statut. De différentes manières, il identifie la parole. Mais il montre combien il aimait la parole, il méditait la parole. Et la parole était la source de sa sagesse, de son intelligence et même de sa prééminence sur plusieurs qui étaient même plus âgés que lui. Les temps qui viennent sont des temps difficiles. Et Dieu nous appelle en cette saison à faire un avec la parole. Première dimension, Kara. Deuxième dimension, Aga. Et troisième dimension, Darash. Là où on va étudier, on va aller en profondeur et on va connaître la pensée mère de Dieu et diversifier autour de ce texte. Je voulais vous édifier aujourd'hui en vous disant que les temps viennent, comme cela s'est passé en Californie, où plusieurs sites chrétiens vont être dérangés. Ils allons être persécutés sur Internet. Ce ne sera plus des arrêts ou bien des tueries. Nous allons être persécutés là où nous nous sommes tous confinés et puis concentrés. Mais seuls ceux qui vont survivre ne sont que ceux qui ont médité la parole, qui ont lu la parole et qui ont fait un avec la parole. Tu n'auras pas toujours ce livre partout où tu seras. Même ton téléphone peut être volé, tu peux l'oublier à la maison. Mais si tu fais un avec la parole, tu seras la parole faite chair, comme Christ avait trouvé son corps en Jésus, comme la parole pourra trouver un corps en toi. D'une personne comme Esdras qui a étudié, qui a pratiqué, mais aussi qui a enseigné. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous prions ce matin pour ces hommes et ces femmes qui ont écouté cette exhortation. Nous avons voulu en ce dimanche matin avoir le temps non seulement d'avertir l'Église, mais de parler de ces choses basiques, mais que nous oublions très souvent. Mais ces choses qui ont fait notre force durant plusieurs années de ministère parce que nous avons eu l'habitude de Kara, de Aga et de Darash. Ma prière est que tu fasses de ces hommes et de ces femmes des amoureux, des amoureuses, des passionnés de ta parole. Plus jamais que leur vie chrétienne soit comme elles étaient. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent prendre plaisir en la loi de l'Éternel. Lorsqu'ils jeûnent, c'est vrai qu'ils se privent de la nourriture, mais qu'ils mangent la parole. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait des retraites de la parole, des veilles de la parole, des temps de la parole où quelqu'un s'enferme une heure pour lire la parole, méditer la parole, étudier la parole. Que la faim, la soif de ta parole
sur le partage de chacun aujourd'hui par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui êtes là, soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir suivi ce direct. Nous avons voulu vous partager ce message basique, mais fondamental pour la foi chrétienne. Parce que la vie chrétienne ne se résume pas en miracle, problème qui doit être résolu, non. La vie chrétienne, c'est vraiment la communion avec Dieu et la communion avec Christ au travers de ce livre sacré, canon de 66 livres qui constitue la fondation de notre foi chrétienne. Alors, achetez à quelqu'un une Bible, offrez à quelqu'un une Bible et dites à quelqu'un que Jésus l'aime, qu'il revient bientôt. Suivez la personne, vous-même, appliquez-vous à connaître et aimer la parole de Dieu. Je l'ai fait, ça fait plus de 2 décennies et je ne regrette jamais. La parole de Dieu m'a donné plus que ce que l'université pouvait m'accorder. La parole de Dieu m'a fait avancer en âge rapide. La parole de Dieu m'a permis aujourd'hui de rencontrer des chefs d'État, des hautes personnalités. Aujourd'hui, la parole de Dieu est ma valeur, la parole de Dieu est ma dignité. Aime la parole, elle changera ta destinée, elle changera ta vie comme elle a fait pour Benjamin Franklin, elle a fait pour plusieurs présidents aux États-Unis et elle a été le socle même de la civilisation européenne aujourd'hui. La réforme protestante y est pour beaucoup. Soyez bénis là où vous êtes, vous avez assisté à ce culte. Allez, envoyez votre offrande tout simplement par PayPal, Mastercard, carte Visa. Envoyez votre offrande là où vous êtes et envoyez votre dîme, offrande, action de grâce. Tous ceux de la porte des cieux, ceux qui sont connectés à cette maison spirituelle, envoyez par le premier lien qui assure le statut. On a écrit Macabo, cliquez dessus et envoyez votre offrande, votre action de grâce et l'offrande du prophète. Mais par ailleurs, de l'autre côté, vous êtes ici à Kinshasa, on va mettre les références sur RTL Money, Orange Money et M-Pesa. Envoyez vos offrandes ce matin et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous avons un grand rendez-vous, le rendez-vous Prophetic Sunday Session soir. Et on a beaucoup travaillé toute la semaine et on est en train de se préparer pour ça. Ce soir, je parlerai sur l'Afrique, le sursaut continental, le réveil du géant endormi. Ce sera un message très très fort. On se prépare en ça en faisant le darash. Et le soir, ce sera un exposé avec mon écran. Et je crois que vous serez bénis, édifiés dans votre foi chrétienne, mais aussi dans votre connaissance des temps et de ce que Dieu fait en cette saison. Merci d'avoir été connecté et d'avoir été branché. Soyez bénis, allez de l'avant et prospérez à tous égards. Et la plus belle de semaine aujourd'hui. Retrouvez-moi ce soir pour un rendez-vous purement prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Réponds-moi ta vie par le jour de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, oh, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Si faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai que je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit.
non, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour le lendemain. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens enlever en moi le fond, établi dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire